Charlie David, je chasse le renard à l'affût. Cette passion m'a été transmise par un ami à moi il y a à peu près 5 ans de ça. Tout simplement, j'ai commencé, j'ai un ami à moi qui est arrivé dans le coin et il a commencé à me parler de cette chasse qu'un autre copain à lui des Pyrénées de la Fédération du 64 chassait. Donc il avait pris un peu cette passion et voilà, il était lui aussi dans ses débuts, mais bon, il connaissait beaucoup de choses sur le renard. Donc il a commencé à me faire voir certaines choses et moi j'y ai très très vite pris goût. Et je suis devenu, c'est vraiment devenu une très très grande passion. Après le renard, je veux dire, pour moi ça reste le plus bel animal du bois. Je le chasse parce que comme dans ce poste ce soir, il fait quelques dégâts sur les lâchers de faisans et de perdreaux que notre ACCA fait. Mais autrement, bon, il n'y a pas de dégâts vraiment très très importants. Sur les postes suivants, ça peut arriver qu'il y ait des dégâts très importants, surtout sur les poulaillers. Donc sur un poste là où je suis à Sainte-Gemme, j'ai la dame qui a perdu une cinquantaine de volailles en 2 mois. Le renard a pris l'habitude régulièrement de venir vers 4 h de l'après-midi se prendre quelques volailles. Donc là-bas, je lui en ai prélevé 2 l'autre soir. Bon, elle était plutôt contente. Et puis comme ça, on crée un rapport avec la population qui a besoin de nous, que ce soit tous les habitants de ces communes ou que ce soit les exploitants, on est là pour les aider. Donc c'est pour ça que je chasse à l'affût. Pour commencer à chasser, c'est tout simple. Il suffit d'appeler la Fédé. Ils seront à votre écoute. Ils vous diront toutes les démarches à suivre. Ils se feront un plaisir de vous amener à ce plaisir qui est la chasse. Pour chasser le renard à l'affût, il suffit de prendre un point au départ. Tu te caches bien sûr dans la faune. Tu attends que les moissons de foin se fassent. Quand les foins sont ramassés, c'est tout simple. Le renard il va venir à l'intérieur pour miroiter. Il faut juste être patient et attendre qu'il arrive. Tu observes, tu regardes. Tu peux regarder les sangliers. Tu peux regarder les chevreuils, tu peux regarder les lièvres et tu t'aperçois que les chasseurs vivent de leur passion correctement. Je m'aperçois tous les ans, les chevreuils, ils y sont toujours. Les sangliers, ils y sont toujours. Les lièvres, ils y sont toujours. Les faisans, ils y sont toujours. Après, si tu veux devenir un grand chasseur d'affût, il va falloir que tu sois patient, que tu aimes la nature, que tu essayes de la comprendre et que tu essayes surtout de les comprendre. Quand tu auras passé un bon bout de temps sur le terrain à essayer de les comprendre, tu deviendras un très très bon chasseur de renards.